Depuis 2015, l'OIM Madagascar collabore avec le ministère de la Population pour l'assistance aux victimes de la traite de personnes, à savoir l'aide au rapatriement, l'assistance médicale et psychologique lorsque les victimes en ont besoin, l'assistance légale si la victime souhaite porter plainte, et enfin la réintégration économique. Cette dernière permet d'assurer que les victimes vont être réintégrées dans la société et de prévenir qu'elles redeviennent de nouveau victimes de traite ou d'autres abus. Dans le cadre de l'assistance des victimes de traite à Madagascar, nous avons eu l'occasion de rencontrer plusieurs victimes de traite internationale. Notamment, je vais vous parler de l'histoire d'une victime de traite internationale qui a été victime de mariage forcé en Chine. Elle a dû se marier avec un Chinois qui avait des troubles psychologiques. Mais lorsqu'elle a pu rentrer à Madagascar, elle a pu reprendre sa vie en main. Elle a décidé de reprendre des cours en langue française, en langue anglaise, en informatique, et en même temps l'OIM a pu l'aider à mettre en place une activité génératrice de revenus, et elle espère pouvoir travailler à mi-temps dans une société en tant que traductrice.